tous les samedis, entre 15 et 16 heures, suivez l'émission Zoom sur les artistes évangéliques. Entrevues, promotions, reportages, une émission qui vous permet de découvrir ou redécouvrir les artistes évangéliques d'ici et d'ailleurs. Animée par Dena Deose. Info 514-588-1843. Chers téléspectateurs, bon après-midi. Bienvenue à cette nouvelle édition Zoom sur les artistes évangéliques sur la THM, la télévision haïtienne de Montréal, l'édition du samedi 13 avril 2019. Je suis votre serviteur Dena Deose. Alors, Zoom sur les artistes évangéliques, c'est une émission qui vous permet de découvrir ou redécouvrir les artistes évangéliques d'ici. Et d'ailleurs, notre invité cet après-midi, Edwin Dorival, il est accompagné de ses frères. Il est né à Port-au-Prince en Haïti dans une famille de musiciens. Edwin Dorival est un jeune garçon très doué. Sa carrière d'artiste lui avait été prédestinée avant même de le savoir. À l'âge de 7 ans, il a décidé d'écrire sa première chanson après avoir commencé à apprendre à jouer de la guitare. Il a continué à jouer de la musique dans les églises et à écrire des chansons à travers les années. À l'âge de 11 ans, sa famille s'est installée aux îles Turques et Caïcos, où il a terminé ses études secondaires au lycée Marjorie Bazden. En 1999, il s'est installé aux États-Unis, où il a rencontré Bonel Léonard, musicien et réalisateur qui l'a initié dans l'univers du cinéma. En 2007, il a déménagé à Montréal, où il a cofondé et était le lead vocal du groupe gospel C2J, Come to Jesus. Il a été diplômé de l'Institut Trébasse en cinématographie. En 2015, il a été sélectionné pour jouer un rôle de soutien dans le film Vortex du réalisateur Jephté Bastien, lauréat d'un prix Juno. Cette fin de semaine, il lancera son tout premier film avec la collaboration de son frère Mackenson Dorival. Bon la joie ou bon moi. Pas bien mon qui cap non. Bon la seul non vie moi. Pas bien mon qui cap fait sorti bien. Ou aïe, ou c'est tout son gain besoin. C'est ou seul qui cap fait mon sourire. Ou ce soleil qui lève dans comme ma terre, qui pourrait chauffer mon femme sentir bien, à Gaimon qui a remplacé. Bon après-midi, messieurs. Bon après-midi, Dena. Comment nous est? Très bien, très bien, très bien. En forme, Edwin. Grâce à Dieu. C'est un plaisir, monsieur, pour me gagner sous plateau. Alors, tout d'abord, Edwin, qui te présente. Bon, moi-même, c'est Edwin Dorival. Pas grand-chose, je vais vous dire. Edwin Dorival. Tu vas présenter monsieur. Oui, mais peut-être que vous faites affaire. Bon, comme nous, c'est frère, moi-même, c'est Mackenson Dorival. Et moi-même, c'est Jean-Abner Dorival. Jean-Abner, frère Dorival. Alors, monsieur, nous comptons pour nous avec nous. Alors, artiste principal, là, bien sûr, c'est Edwin. Et puis, monsieur a décidé, si bon, vous ne pas quitter Edwin marché pour comprendre. Alors, moi content ça. Alors, comment on a fait ça, monsieur? C'est que nous pouvons essayer de passer en revue. Okay? Mm-hmm. Nous avons essayé de faire un retour. Nous avons passé en revue enfance Edwin pour permettre que nous soyons capables de découvrir l'autre Edwin. Parce que grand pile monde qui connaît Edwin en partie, mais on pas vraiment connaît qui est ce qu'Edwin a, et nous sommes visionné biographie Edwin. Alors Edwin, enfance ou, ok, pas d'enfance ou, en pile bagaille. En pile bagaille, le problème c'est que moi c'est son bagaille qui a sauté depuis nos parents. Parce que, depuis la nous petit, moi on m'a toujours aimé faire solo dans l'église. Ok. C'est un bagage qui était incarné dans l'église depuis Simon, moi j'aime toujours faire le fond solo. Oui, oui. Bon, so, pour chanter, pour musique, et ça c'est un bagage un peu mon niveau, on va connaître tout.
Monsieur c'est premier nèg Jean Abner, lui-même c'est plus grand. OK. C'est lui-même qui était premier à l'école pour aller apprendre jouer guitare. Wow. Et à cause de monsieur qui vient là qu'à la guitare, nous tous commençons à faire. On va apprendre. C'est-à-dire nous faisons nos familles chrétiennes, même genre avec moi. Bien sûr. Exactement. Oui. Et puis une famille de musiciens, tout. Oui. Bon, papa me dit de prendre une guitare. OK. Ah, oui. Ça a commencé avec papa, mais puis après ça, papa me vient quitter Haïti. Mm-hmm. Et puis, je viens regarder tonton. OK. Ouais, c'est et ça. Puis, le tonton m'a appris à jouer la guitare et moi-même m'intéressais à ça. Et puis, en effet, quand il y a là, moi-même, je me dis, maman, il faut m'apprendre à jouer la guitare. Mm-hmm. Et puis, nous avançons. Je vais apprendre à jouer la guitare et puis, je viens commencer tout le grémen. Et en effet, nous continuons comme ça. Très bien, très bien. Alors, Edwin, est-ce qu'on a des souvenirs d'enfance parce que c'est sûr que vous vécu vraiment une enfance qui. Ou font pile bagaille pendant l'enfance. Est-ce qu'on a des souvenirs d'enfance, des bagailles qui marquent ou pendant l'enfance? Mon cher Mabdou, monsieur, monsieur marque mon pile, il est petit. Parce que monsieur son des fois, il vient là quand il a une guitare, et ça fait toujours bien. Il peut passer, mais il peut passer, marque son. Ok. Parce que monsieur était contre qu'il y ait une guitare pour contre lui. Le vide, il faut qu'il y ait une guitare pour le jouer. C'est l'être fatigué pour le guitare jouer. Mais en principe, bon, elle était plus grande, on était ça passé. Ok. Mais pour un bagage qui m'a marqué pendant l'enfance, moi, il y a un pile bagage qui a parlé de yo. Mm-hmm. Parce que je me suis dit que j'ai oublié tout. Premier petit chant, nous avons écrit pour nous jouer. Donc ça, on a joué musique. Nous décidé pour nous faire chanter, moi-même, m'écris musique là. Ou rappelons de petit chanter, ou rappelons. Ça fait longtemps, passons. Oui, il y a 7 ans là-bas. Eh bien, c'est ça. Mais ça me. Samson, j'ai plus dans activité ça. Pas sur les petits chanteurs, mais façon nous jouer guitare, c'est une seule guitare nous jouer. OK. Et d'une chanté. J'ai amené à jouer solo, moi même passer pas derrière, me passer vraiment haut, m'habille basse. OK, parce que c'est une seule guitare. Ouais, c'est ça. Wow. Yo, c'est tout une histoire. Yeah. Alors, nous faites pas au point, c'est ça? Oui. Dans quelle localité en particulier? Gansaline. Mais moi même fait Carrefour, fait l'hôpital Carrefour. Hein. OK. Mais nous t'es habité Le Lambi. Le Lambi, c'est Piba Mariani tout près. Ok, ouais. Ok. Mais d'une pas jamais ou à jouer guitare, non? Mais la majorité de monde ne connaît pas la guitare. Et c'est ça, c'est ça. Le m'a regardé ça dans la biographie, elle me dit, mais écoute. Ouais, majorité de monde ne connaît pas ça parce que tout le monde qui connaît, il connaît avec un micro même. Ouais. Surtout à cause de C2J, ça c'est un micro même. Mais instrument, moi, parce que je produis un peu tout, je produis musique. Donc, je ne dois pas cacher ta live là, ma la like, beaucoup de guitare, mais au cas d'un instrument à l'objet, puis c'est moi qui fais. Moi, ça veut dire que je produis un peu de la caméra, mais sans ça. Okay. Monsieur, je dis souvent l'homme est le produit de son milieu. C'est-à-dire, nous faisons Haïti, nous faisons Edwin, nous faisons Carrefour. Dans le milieu que tu es, qui ça que tu influences à l'époque? Qui influence tu es, que ce soit au niveau musical, artistique, qui ça que tu influencé à l'époque? Depuis petit, nous t'écoutons vraiment regarder des films. Nous t'écoutons vraiment regarder des films en pile à cause de ça. Nous surtout films Bruce Lee, Jackie Chan, c'était karaté. Et puis c'était des bagages. Film, musique. Depuis nous t'écoutons. Et en pile bagages, mon gars doit pas. Ouais. Kounya là, nous fait compagnie les Dorival Brothers Entertainment. Depuis Haïti non ça là. Ça son bail m'a parlé, m'te gagné à peine 7 ans, 6 ans, 8 ans, a grandi. Wow. Monsieur était un petit Jean-Pierre Grand, mais non ça là depuis Haïti. Ah oui, c'est ça, c'est so, nous te gagné dans tête nous depuis nous petit monde. Un jour n'a gagné un groupe musical non, n'a fait musique et n'a fait cinéma. OK. Depuis l'année petit monde. Wow. So nous grandi avec même mentalité, ça c'est ça qui cause même rendu là, qu'on y a là, nous pas de courir. Quitter, non pas qu'à quitter passion, ça parce que son passion les débuts. Exactement. Ouais. Très bien. Mais sur le plan artistique, par exemple, à l'époque, qui artiste, chanteur ou chanteuse, à l'époque, est-ce que tu es un modèle comme ça? Je ne sais pas si je suis un modèle. On est comme modèle, monsieur, monsieur, il doit pas même émission ça, Jean Fritz.
OK. Parce que j'ai un fruit, ouais, c'est ça. On partenaire Haïti dans zone côté territoire qui c'était mergé. OK. Mergé, c'est tout près puis au Grissier. Yeah, avant j'ai un Grissier sur ce carrefour. OK. Ouais. Monsieur était un groupe qui était les amis de Jésus, les amis de Jésus, non, pas changé. On groupe était gagné Haïti. Chaque fois que vient jouer dans l'église nous qu'on allait l'église Siloya. Ouais. Chaque fois le groupe ça invite venir jouer nous-mêmes fonal jusqu'à ça devant parce que nous pas habitué avec gros bagage parce que la télévision ouais ils sont pas vraiment accouchés avec eux. Mm-hmm. Mais nous t'es toujours à chita devant parce que monsieur sont malade guitare. Yeah. Sont folle chita devant. J'ai fait ses guitares ici. Yeah. Pour tout les gars comme ça n'a pas gardé. Regardez tout le monde là. Nous c'était vraiment impressionné le petit monde. Ce monsieur marqué ça veut dire non monsieur nous pas jamais oublié malgré monsieur pas on est qui connu. Yeah. Mais nous pas jamais oublié impact que monsieur t'a fait sur nous pendant des petits. Waouh, c'est intéressant. Et nous t'es venu quitter Haïti. Toute famille là t'es venu quitter Haïti, nous déménager. Est-ce que tu as une raison particulière? Parce que nous connaissons à l'époque ça, c'était un peu de monde qui était payé pour persécution politique. Qui est-ce que tu as poussé la famille à quitter Haïti? Papa, l'aide n'a pas levé, nous pas vraiment. Depuis qu'il y a 6 ans, papa m'a quitté Haïti. Trois mois. Il a quitté Haïti, en effet. Nous-mêmes, tout. On l'a qui vient passer, maman m'a toujours voyagé. Mais nous-mêmes, nous pas de chambre pour voyager. Okay. Et puis, en effet, après ça, papa m'a venu, il a décidé de retirer nous tout Haïti. Il retire toute famille. Okay. Ouais. Ok. C'est-à-dire, les nappes levées, moi-même qui t'ai 6 ans, et mal dit, je t'ai 6 ans. C'est 6 ans, je connais le sorti en côté. Ouais. Et puis, depuis, les sages, papa m'a quitté Haïti. Et puis, après ça, il a décidé que. La retirer nous tout Haïti. Ce pas de grande raison. Pas de grande raison politique de nous-mêmes qui quitter Haïti pour aller dans Toxin quelque chose. Ok, ouais. Ok. Mais qui différence nous fait à l'époque de. Parce qu'à l'époque, Haïti était bon. Ah oui. Edwin fait en 82, c'est ça. Oui. C'était la belle Haïti, Haïti était bon. Oui. Qui différence nous fait entre Haïti, le NAP grandi, entre Haïti et Turks and Caïcos? Mon cher, pour moi, l'aime fait Haïti, l'aime commencer grandir, m'te connu mais oui m'grandi non même dans époque ça m pa ka di l'té bon parce que m'te connu ces débats on ti moun là je m'pa ti poser ouais. OK, on sa mesure long l'un dit, excusez-moi, l'un nous dit Haïti t'es bon comparativement à Kounia. Parce qu'en pile moun t'a quitté pays c'est pour persécution politique. Oui, absolument. Pas de gain question moun t'a quitté aller Saint-Domingue, aller Chili. Non, pas de travail comme ça. Mon œuvre là, tout côté sauf que t'es Haïti. Ouais. On monte qui t'es Haïti à l'époque, c'était pour persécution politique ou bien pour études. C'est ça. Mais ouais. Jean, mon a quitté pays, hein, écoute. Non, Kounia, il y a changé net. Ouais. Il y a changé net. Mais nous dis bon Dieu merci tout. Parce que, m'a dit lui, nous t'es privilégié non sens. Parce que bon Dieu t'es toujours béni. Et bon Dieu t'es bonne opportunité à tout. Parce que y a pile. Il y a un pile de bagaille qui a passé Kounia là, qui n'a pas passé dans le moment ça. Et même les ça, et à l'époque, nous avons toujours pensé qu'il était mal. Nous n'avons pas pensé qu'il allait venir dans le niveau lié là. Bon, nous avons dit ça pas dans la tête, non. Mais non, pas de gain rien qui était poussé vraiment. C'est mon décision, papa me déprendre. Et puis, je pense bon, au fil des temps, nous avons réalisé son bonne décision, malgré les gens qui battent tout le. Ouais, c'est ça. oui, c'est sûr. Mais différence là, à l'époque, comment qui comparaison nous fait entre deux pays ça? Bon, Toxin Caïcos avec Haïti? Oui, à l'époque. En parlant de Toxin Caïcos, son petit pays qui est très paisible, très tranquille, comme au marché Léovlé. Ok. Est-ce que c'est proche de Nassau, Bahamas? Il va loin. Il va loin, Nassau. Ok. Il va loin, il parle loin Haïti, il va loin Nassau. Ok. Ouais, c'est okay. Ça. Oui, et en effet, comparativement à l'époque, j'en parlais d'Haïti. Ça nous a trouvé bien vite le nous terrible Toxin Caïcos. Nous t'es pire même à Haïti. Ça t'a fait crever. Oui, après au fil de temps, moi même avec monsieur, nous décidons, nous disons, mon cher, pourquoi ça passe, on retourne à Haïti. Mais est-ce qu'à l'époque, tu as un paquet haïtien là-bas? Tu as quelques haïtiens, mais il n'y a pas de gens liés qu'on y a. Ok. Même à l'époque, on a parlé de Toxin Caïcos, c'est haïtien avec mon pays qui fait, qui fait.
comme il y a pile haïtien même j'ai qu'un pile comme l'autre nation en terme comme tu vois TI il y a pile haïtien même j'entends ben okay. Soit parler de ben comparaison ça c'est ça longtemps qu'on y a soit parler de qu'on y a plus haïtien que plus haïtien que TI yeah bah oui parce que comme haïtien apporte chaque jour ouais Edwin mon cher Edwin qui a plusieurs chapeaux. Edwin c'est acteur, chanteur, réalisateur, écrivain, pas connaît. CV Edwin rempli. Mais c'est sûr que dans tout Edwin chanté, passion, est-ce que nous sommes capables de dire moi-même qui ça ou développer plus parmi talents ça? Tout talent ça. Je pense que c'est composition, écrit, mm-hmm. écrit, chanté. Ok. Je pense que c'est ça. Parce que ça, son bagage m'a fait. Même pour chanter, je n'ai pas chanté à tout, mais je n'ai pas développé le même genre avec composition. Okay. Parce que ça fait longtemps que j'ai écrit depuis petit monde, mm-hmm. malgré que je n'ai pas enregistré rien, mais au duo, même okay. toujours à chanter à l'écart. Mm-hmm. Mais pour composer, ça m'a toujours travaillé. Ok. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, où est-ce que tu as un répertoire qui est riche là? Oui, mais à date, est-ce que y a plusieurs musiques, c'est sûr que qui est enregistré, plusieurs albums enregistrés à date, nous connaissons Gébaré Capvini. Oui, bien sûr, Gébaré Capvini, ça c'est sûr, et oui, il y a plusieurs albums qui étaient enregistrés déjà. Et il y a un projet qui est en travail sur l'île actuellement, qui s'est posé sorti en juillet, si Dieu veut. Ok. Ça c'est... à venir. Mm-hmm. Mais musique ou écrit, est-ce que c'est typiquement musique évangélique ou c'est musique engagée, musique à caractère social? Quel type de musique? La musique engagée, caractère social mm-hmm. et évangélique. Okay. Parce que c'était en époque, surtout époque des États-Unis, deux albums qui étaient écrits, trois albums qui étaient écrits. Mm-hmm. Par exemple, aux États-Unis. Actuellement, ça c'est l'autre bagage que je ne connais, c'est l'autre aspect que je ne connais. Il y a deux albums qui sont sur iTunes. Ok. Mais c'est des musiques engagées, oui. Ils sont sur iTunes, ils sont sur Amazon. Ils sont sur Amazon, ils sont de tous côtés. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas sur YouTube. Ok. Ok. Comprenez? Mais après ça, projet, ça c'est des projets qui étaient faits avant. Mm-hmm. Mais Kounia, c'est ma travail sur des projets spécifiques, c'est des projets évangéliques. Oui. Ok. Ouais. Très bien. Album ça ou qui sur iTunes. Si on voulait entendre des musiques ça ou bien acheter des musiques ça ou, qu'est-ce que vous capable faire? Juste Google Edwin Dorival. Ok. C'est intéressant, c'est à dire. Ouais. Un paquet de bagages que vous ne pas connaître, que vous supposez connaître de Edwin Dorival. En 99, pourquoi Edwin t'es déménagé? C'est Edwin seulement ou bien toute famille là? Pour entrer États-Unis. Monsieur était déjà là, monsieur qui a répondu ça, mais c'est pas moi, monsieur. Je suis rentré avant, et puis, en effet, après ça, je juge, bon, puis on peut venir joindre moi. C'est comme ça le jouer. C'est toujours commencé, et puis après ça, les gars suivent moi. Alors, messieurs, nous avons observé une pause, et puis après, nous avons tourné. Ok? Si vous en avez, vous mettez avancer, pas peur. Bon,
tête, tu te connais sans ta pierre. Et pourquoi c'est lui qui dominait? Aïe, c'est lui pas vrai, rien pas qu'arrivé. Non, sans tes mêmes grâces et brisées, mais ça y'a plé. C'est lui qui a payé au maître et qui a posé. Comment est-ce qu'il chantait? Mon Dieu, non, bon, divin. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Tous les samedis, entre 15 et 16 heures, suivez l'émission Zoom sur les artistes. Bonsoir. Et voilà, nous sommes de retour. Messieurs, nous sommes visionnés et vidéos à la belle époque de Citou. Il a bien compris sous ça. C'est avec l'émotion que nous avons regardé vidéos à. Ouais. Ouais. Bel moment. Bel moment, ouais, la belle époque. Ouais. N'a bien pour nous venir, n'a bien pour nous venir, mais nous n'a pas continué côté nous t'ai quitté avant pause là, nous t'es États-Unis. Ouais. Nous t'es États-Unis, n'a pas fait un temps d'arrêt États-Unis, nous quitté Turc and Caicos, nous tombé États-Unis. Dans qui état plus précisément aux États-Unis? Floride. Floride. Oui. OK. OK. Là encore, y a une autre question, même question hein, de Haïti, du Caïcos, nous quitter l'anal États-Unis, qui raison encore? Qui a raison? Toujours raison? Eh bien, ça a commencé avec moi-même. Parce que, en effet, l'heure où quitter Haïti, l'heure nous jeunes, nous toujours entendons parler des États-Unis. États-Unis. La terre promise. Oui, la terre promise. L'heure où tomber dans une petite île, toujours vision. Mm-hmm. C'est pour aller au côté qui puis avancer. Ouais. Et puis je viens de décider me quitter. Et puis petit monsieur dit ah monsieur, suis grand frère. Mes parents nous yo même j'étais toujours qu'on vienne visiter mais pas de jamais décider rester. Premièrement me viens visiter et puis me retourner et puis dans quelques autres voyages me décider me dit m'a prêter. OK. Le me rester et puis bon. Ouais, c'est-à-dire nous baser nous et puis l'autre monsieur vient jouer nous Floride et puis nous installer nous là pendant combien de temps à peu près 9 ans environ 9 ans. OK. Ouais, c'est ça. Environ 9 ans. OK, mais est-ce que transition était aussi facile intégration, c'est sûr que nous soutenons île nous vient États-Unis
barrière linguistique. Là-bas, qui l'a parlé? Anglais. Anglais? Ah, non. Il n'y a pas de aucun problème. Mais l'intégration était facile pour nous. Oui, oui, bien sûr. Il était très facile. Parce que même Jean-Baptiste était tout, même non il l'a, vu que c'est anglais au parler, yo on tient genre up to date avec ça qui a passé. Non, bah so, il pas gagné un peu de difficulté. Ok, pas grand. Surtout le bois pour arriver aux États-Unis, pas grand de difficulté pour adapter. Exactement. Et puis de là étant, il doit nous croiser Léonard. Léonard, qui boit un goût pour le cinéma. Léobi, c'était cool. Mon cher, monsieur Sonek était dans la musique tout. Ok. Monsieur fait musique tout. Cosmos. Oui, c'est mon groupe qui est le Cosmos. C'est dans la musique, nous venons croiser avec Léonard. Mais... Ok. Cosmos, c'est ton groupe évangélique, non? Oui, okay. Groupe évangélique, monsieur Thierry, monsieur Léguin, à un moment donné. Et puis, mais ce sont des qui ont long parcours tout. Oui, oui. Donc, nous croiser et puis, nous commençons à entrer dans contact pour question musique. Et après, les films nous viennent sortir, monsieur qui ont filmé les affaires, puis nous commençons à parler. Et puis, je me suis dit, bon, c'est où même là, mais je veux voir. La femme prodigue. Donc, mes films, ça, son film, c'est pas moi qui ai réalisé, c'était monsieur. C'était monsieur avec Lady Kay. Lady Kay. Qui a réalisé film ça. Et puis, de là. Mais ils sont pas sautés déjà là. Si je dis ça, je me suis dit, oh. Exactement. Nous, nous faisons. Oui, exactement. Mais est-ce que film ça, l'été, qu'on est un grand succès en femme prodigue? Oui. Dans quelle année? 2002, 2003, je pense. Ok. Ouais, c'est environ année ça y est. Puis, mais non, mais film ça était partout. Partout, Haïti, les Antilles, les États-Unis, tout le continent là. L'affaire production film comme qui était partout parce que m'a rappelé si tu disais les Bahamas. N'a pas marché dans la rue Bahamas. Quel monde qui veut nous parler ou qui explique l'enfant posé des têtes. Ok. Même partie que vous même oublié qui était passé dans l'enfant posé, nous envoyons la musique au final. Vous êtes joué dans l'enfant posé tout, Mac. Ah oui, nous tous les trois. Ok. Mais acteur principal dans cette lui. Vous êtes joué grand frère. Ok. Léo, t'es papa, nous. Oui. Tout le monde est fâché. Sur surprise là c'était un bagage émotionnel c'est sérieux. Non mais moi mais ça mais monsieur félicitations parce que la n'a gardé nous son histoire d'amour c'est pas facile non. Nous unissons les frères de rival nous mettons ensemble que ce soit dans la musique dans le cinéma partout côté nous même dans Citou J Mac t'es là et si Abdel si Abdel t'es là tout c'est sûr que t'as des problèmes sans doute mais après cinéma là-bas en Floride qui l'autre activité musique là t'es présente ou musique là t'es présente mais musique là t'es plus parce que où on est le jeune malgré pas rentrer à son chemin pour ou toujours penser au pic qu'on est. Oui, c'est toujours comme ça. Nous voulons refaire le monde. Exactement. So, parcours musical États-Unis était très différent. Parce que plus genre de musique nous devons faire, c'est pas de musique chrétienne. C'était plus musique club, musique. On rentre sa maison là. Donc, changer. Ça prend une petite parenthèse tout coûte dans ça. Papa me dit entre États-Unis, on l'est. Papa m'a entré aux États-Unis, ça a vraiment mal pensé parce que un jour, je suis comme ça, je suis allé dans le club et puis papa me dit il faut aller. Et puis il me dit mais on va aller, c'est la place où. Je me suis dit non, si c'est place où, c'est place où. C'est place où et tout. Parce que c'est pas ça, même ça me démontre tout là. Si son côté ou quand rentre, voilà. Ça moi mais là dedans comme si papa il était en train de sous lui il était préparé l'avant parce que il dit comme ça sous calé là même tout me garde oui très bien c'est pas chemin ça le te montrer non mais il mettait rad sous lui fou chemise dans pantalon là ou bralé tout finalement bon monsieur pas mon nèg qui jamais pied dans club c'est seule fois ça mal dans club
Et ceci dit, ça c'est you know, Pigo Club Miami. Mention. Première fois, Michel Lanclèbe. Et puis tout. Et ça qui te fait mal tout après. Parce que c'est la seule fois que ça a mis pile dans un espace comme ça. Moi-même avec papa, Edwin qui fait ça. Première fois le mettre pile dans un espace comme ça. Et déception qui te vient après, ya, ça qui ne peut même parler ça qui te passe dans le club là. C'est le papa Marie et maman. Pour y a maman Marie et maman deux messieurs qui va avec l'eau d'Angèle. L'a dit parce que par Marie et le papa me dit nous fini. Et nous fini et nous pas existant encore. So maman Marie et Mkounia pendant les temps il est là. L'a dit bon, la maman dit bon j'ai ça le fait. Pour petite lui venir dans ça. Wow. So ça sont des bagages qui qu'il faut penser. Oui. Parce que tu es mon chemin de tracé. Exactement. So, route musicale là, États-Unis, c'était plus saleté. Mais grâce à Dieu. Oui, bon ouais. Dieu fidèle. Oui, Dieu fidèle. Alors, monsieur, fidèle. Exactement. En parlant de cinéma, nous avons pour nous arriver parce que fin de semaine, là, dimanche, il ouais. y a un lancement film, premier film. Non? Ouais. Et nous allons inviter les téléspectateurs ensemble avec nous pour visionner un extrait de film qui a lancé dimanche. 14 avril, nous invitons tout le monde à garder avec nous. D'accord. Hey Jack, comment ça va? Les choses pourraient aller mieux, mais tu sais, la vie ne nous apporte pas toujours ce qu'on veut. Hein? I don't want you to do drugs around my son. First of all, he's also my son, and I'm not doing drugs, okay? You have to trust me. You got my money? Like, I don't have the money, and you and I both know you ain't gonna kill me over this, right? So why don't you just hit me in the face one time and just go about your business, man? I don't know how to tell you this, folks, but we found your son. My son? Yeah, over the in an abandoned building next to the park. Where did you find him? In your mailbox. It's your fault. I want you out. Out. Now. Now. I want you out. I guess now my sins have finally caught up with me, you know? It's my time to pay. Take this. I don't have to tell. Our critical release, or you could take care of this yourself. Is it done? Now it is. Alors, monsieur, dimanche 14 avril, yes. Nous invitons tout le monde pour visionner le film ça, qui c'est la grande première de Dorival Brothers, c'est ça? Bon, Dorival Brothers Entertainment, film là, c'est The Promise. Ouais, et puis oui, tout le monde qui connaît nous soit dans le milieu musical là ou bien dans le milieu cinéma vin garder film non et puis parce que non seulement ça nous fait tout nous fait première là comme son première et tout nous fait le gratis so n'importe monde qui a venu et c'est un film qui est classé par la régie du cinéma ok donc c'est un film qui rated qui classement c'est G donc c'est rated G okay. Ça veut dire n'importe qui regarde ok tout le monde ça veut dire là donc c'est très important au monde si c'est famille là on voulait venir avec famille ou qu'avait venir avec famille ou sans problème ok ouais. Mais histoire parler de quoi exactement déroulement film histoire c'est une histoire tragique mais qui pas fini avec un ending chapter tragique sans parler by trop bagarre pas sembler mon exactement exactement nous t'ai dit c'est un papa et à cause de timesse monsieur d'adjo parce que monsieur c'est un drug addict. Monsieur son équipe qui prend drogue. Malgré le pas avouer ça à madame. Ni madame ni connaît, peu importe ça, mais monsieur pas avouer. Monsieur son équipe, à cause de drogue, monsieur prend. Monsieur vient indirectement, cause la mort yon petit li. On a trompé les parenthèses là. Exactement. Alors c'est ça, c'est nous inviter tout le monde dimanche 14 avril. Qui côté rappelez-nous adresse là? C'est dans Cine Star qui est sur l'Angelière. C'est 7305. Ok. Rue L'Angelière. Rue L'Angelière. Oui, est-ce qu'il y a une seule séance ou plusieurs séances? Une seule séance. Une seule séance. On commence à 7h. 7h, ok. Ouais. 19h pour quelle heure? Le film n'est pas long. Il n'est pas long? Non. So, ça veut dire que nous gagnons de 19h à
À 21h. À 21h, mais c'est sûr, après, comme Nabgui, séance photo avec les héros. Exact. Et puis, Nabgui, tout le monde, Nabgui, il y a comme ça, comme tout acteur, c'est dans Montréal, nous sortis. Ok. Ça veut dire qu'on est venu pour faire photo, pour encourager. Exactement. Non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, nous allons tourner à la fin, nous allons faire un dernier rappel, sur le c'est juste une parenthèse. Nous allons tourner aux États-Unis encore. Nous allons tourner à Miami parce que. Cap suivre séquence là papa maman après réaction moun yo qui décision que tu prends bon ça qui vient important dans ça même après réaction moun yo tant que ça te frappe nous ça te frappe nous lorsque tu as pensé de ça moi même ça te frappe ça t'a vraiment frappé bon moi même qui me fait mal je suis passé première fois mettre pied en place comme ça et pas juste pour moi papa parce que c'est son grand frère nèg là. Je connais monsieur très bien, grandi ensemble avec nous, c'est pas nous qui j'aime dans le club, c'est pas nous qui j'aime dans le fait. Non, c'est de côté. Non, c'est de côté ou pas, j'aime jouer monsieur. Ça, c'est la seule fois que monsieur était mis de pied long comme ça. Et jusqu'à nos jours, par contre, monsieur, j'aime retourner. Bon, c'est pas des motifs, c'est de retourner, madame, pas là. Non, c'est nous-mêmes qui t'aimons, monsieur. Depuis, si changement de comment c'est fait, je pense ça, depuis que j'ai quitté Turks Island. Parce que nous sommes j'allais mal chercher monsieur Naipot Edwin Naipot et puis moi c'est à 11 ans non dans son et puis si monsieur pas comprendre retirer oui et puis avant nous arriver là quand exactement vous faites retirer monsieur retirer en non tout ça c'est un changement qui était fait derrière exactement et puis le yo vini puis rencontrer avec et puis ligne moins pas aller dans club pas et puis malgré autant de ça, nous pas tellement. Exact. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, oui. Yeah. Et puis, par la suite, on dit bon, c'est fini, nous, affaire club là, c'est fini, désormais c'est l'église. Mon cher, non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas dans le moment ça. Nous, ça vient changer un petit peu après. Ok. Après. Ça vient changer un petit peu après. Parce que là, juste après ça t'est fini fait là, on pas petit comme ça juste avant de dire ouais, bon révélation. Non, c'est pas comme ça t'est fait. Yeah. C'est même pas c'est bon Dieu lui-même les bon Dieu chachou, ils vont route les va. Ils ont plan exactement. Ils toujours ont plan, ils ont côté le veut. S'il veut arriver là, on pas besoin faire ou droit ça là. Parce que il y a un pile bagarre faut vécu pour qu'on ait comment pour dire là avec. Si on l'autre monde a passé par eux même pour qu'on comment pour parler avec moi c'est. Donc, je pense c'est ça qui cause bon Dieu fait pile route avec. Pour arriver côté nous là je tiens. Donc non ça pas traité tout d'un coup mais bon j'ai fait bagaille peu à peu et puis arrivé au moment donné là c'était non pas gain l'autre route à faire là parce que pas gain l'autre côté qu'à faire lumière c'est là exact machine faire non exact. Alors monsieur nous parlons pour l'autre pause encore nous parlons pour l'autre pause côté que nous pour visionner musique bon Dieu bon. Bon Dieu, bon, les gens ont la fave. Nous invitons les téléspectateurs à suivre la musique ça avec nous. Bon Dieu, bon, du groupe Situdje. Bonsoir. Non, pas c'est Situdje. Bon, c'est maintenant bon, papa. Ma bonne pour vous. On t'aime encore, il peut s'arriver. Il fait la mer et l'écouté. Soleil levé, sans pas rouler. C'est grâce à lui qui fait nous respirer. On tient nos corps, il veut s'arriver. Par chaque coup de talent pour y chercher. On tient nos corps, il fait s'allumer. Avant des fêtes, il te connaît ça le tapier. C'est lui qui domine. Si lui pas blé, on y n'a pas qu'à arriver. Non, les autres des maîtres, elles sont brisées, pas ça y aurait. C'est lui qui a veillé au maître qui est posé. On t'aime encore, il fait ça arriver. Il fait ça le blé. Il fait la mer et Davidson, c'est ça, c'est ça.
fait commencer. Et je souhaitais la mort, mon Dieu disait la vie. Et je donne piège pour moi, c'est eux-mêmes qui tombaient. Je sais si là, je vois comment la vie changeait. Voilà, nous sommes de retour après cette pause, cette belle pause encore avec le groupe C2J. Bon Dieu bon, bon Dieu bon. Yes, il est bon. Et il est bon, et monsieur, pour tout de suite, n'a quitté États-Unis. Okay. Ouais, n'a quitté Floride, n'a tombé Montréal, bah ouais. Yes, bon Dieu bon. Bon Dieu bon, bon Dieu bon. Alors, en 2007, Edwin et Marc, nous atterri Montréal, monsieur. Yes. Nous quitter grand frère nous là-bas pour compter. Est-ce que c'est une décision facile pour nous partir quitter frère nous encore? Bon, je ne vais pas dire son décision qui est facile, mais parfois, dans la vie, il y a quelques décisions fort pour nous. C'est pour l'avancement de. Bon, pour regarder dans le futur, là, on dit comme ça, cette décision, ça, si je prends, la bénéficier dans le futur. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas toujours A à Z. Ouais. Donc, parfois, il y a un B qui entre là-dedans. Il y a l'autre lettre qui entre dans le bail. Donc, oui, nous décidons donc, pour nous rentrer ici hein, parce que nous pensons que nous bénéficions. Ok. Dans quel sens? Dans tous les sens, parce que il y a l'autre monde qui t'a bénéficié déjà. Ok. Il y a l'autre monde qui t'a bénéficié. Et moi, il faut me dire qu'il y a un bagage, c'est un bénéficiant là, il n'y a pas possible. Vous reconnaissez madame moi, oui? Oui, bien sûr, oh, belle madame Bodila. Oui. C'est vrai, ça c'est vrai. Avec mes raisons. Au fil de parler. Non, mais parce que, effectivement, si ce n'est pas un genre de bagage sérieux, parce que, en pile fois, États-Unis comme destination finale là. Mais oui. Parce que oui, tout le monde rêve, j'en ai dit tout à l'heure. Oui. Et mon nom, depuis le rêve États-Unis, écoute. Il campait là. Quitter États-Unis pour venir Montréal, si pas une raison valable, il n'est pas aussi évident. Il n'est pas aussi évident, comme il y a une raison valable vraiment qui fait le ville jeune. Non, ça c'est une raison, mon cher. C'est pas de ville, madame jeune madame. Tout à fait. Pour continuer avec ça, on m'a dit que venir, de toute façon, comme dans tous les sens, venir, ils ont un avantage. Et même au point de cinéma, je viens de dire que ça va être une autre, je voulais apprendre ça, mais ouais. ça demande des couteaux. Exactement. Il n'y a pas possible pour faire. Exactement. Mais monsieur, quitter Floride, qui fait chaud, pour une ville, il y a moins 40 dans la neige. Écoute, c'est sûr que ce n'est pas facile. Là. Mais imaginez, par contre, si on regarde les coûts, frais l'écouter pour aller à l'école, l'école cinématographie États-Unis. Oui, comparativement c'est chargé. C'est vrai. Si on regarde très basse là, parce que nous-mêmes, c'était pour nous rentrer à l'école tout. Mm-hmm. Donc, nous devons aller très basse. Yeah. Si on compare le coût, c'est pas même bas là, du tout. Du tout, c'est vrai. C'est quoi, on tranche là, en 5 ans, 10 là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un avantage dans tous les sens. Dans tous les sens. Même le hiver, et puis nous arranger, nous disons, bon, écoute là. C'est ça. On va faire avec. Même qui m'a rappelé que les gens qui étaient fort là-dedans, ça t'a fait amener mal en pile. Non, mais c'est sûr. Il t'a crié parce qu'il va arrêter pour garder nos caps sortis. C'est là qu'il est. Si le vilain là qu'il est, nous sortis de elle. C'est là qu'il est. C'est là qu'il a vu ça.
Non, mais c'est vrai. Moi-même, je comprends parce que, écoute, c'est depuis nos petits nous ensemble, nous faisons tout autour ensemble. Ouais, mais ouais. Premier hiver, nous ici, comment t'as vécu ça, monsieur? C'était dur. C'était dur? Monsieur, c'était dur parce que. Pourquoi on n'est pas habitué? Surtout, là, nous rentrons en novembre. Mm-hmm. Ouais, novembre. Ah, que la gala. Ouais, ouais. Nous rentrons les balles à commencer, mais nous rentrons en novembre. Fait que nous pas habitués avec. Nous avons un petit tennis normal, un petit autre bon. Nous pensons que moi, je me connais personnellement, mais nous pensons que c'est des fruits. Moi, c'est vous qui m'avez payé. Oui, parce que là, moi-même, tout, là, on sort de Haïti, on sort de nos pays tropicaux, plein énergie, ou comprenez ouais, vous dites, vous qu'à affronter l'hiver là, et pourtant, et plutôt, vous allez payer comme ça. Parce qu'on pense, que le système est déjà habitué à elle, mais on pense que dans 2-3 jours, le système est habitué, mais ce n'est pas vrai. Mais comment accueillir l'atelier, comment nous t'es ouais villa, mon aller, premier contact, premier contact avec, est-ce que c'était avec l'église à qui est-ce? Premier contact, les gens entrent ici, hein. Montréalais, yo pi nice. Mm-hmm. Yo nice. Moi personnellement, j'ai trouvé yo pi nice qu'américain. Qu'américain. Oh, longtemps mon cher. Ouais. Parce que soit on sait l'expérience ou fait. Moi même fait personnellement avec Montréalais comparativement avec expérience ou fait avec américain, c'est deux bails différents. Oui. États-Unis frère. Bon, dans zone Golden Day, on passe contre un nèg. Ou pas fait exprès au pile les nèg là. Nèg là presque pour beaucoup, tout le bateau. On voit ça mes violents. Ici, à m'entrer dans le métro, t'es grand pile monde dans le métro. Comme pile, mon bébé t'es frappé, mon appareil. Il m'a dit, excusez-moi. Mm-hmm. Oui. Et ça me fait rentrer ici. Je me trouvé ça bizarre. Mm-hmm. Mais c'est ça le dire. En parlant de ça, aux États-Unis, vous avez regardé mon aïe du conseil. Qui est ce cadet là? Oui. Vous regardez vos yeux. Dépendamment de vous. Qui est ce cadet là? C'est deux vies différentes. À quel moment? À quel moment même? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais après. Qui l'autre expérience, après expérience, c'est quelle l'autre expérience qui t'a marqué nous de Montréal, de monde qui a vu Montréal? Poutine. Non, moi, je sais, là où il est, là où il est ici, il y a peut-être audio avec culture là, vous comprenez? Il y a essayé, il faut habituer avec culture là, il fait manger poutine, mais pas. Parce que les autres sont pas là qui. C'est couvert doit. Mais ouais, même l'aime fin manger poutine là. C'est bon. Ça on y fait manger. En parlant de ça, en parlant de poutine là, manger comme si vous pas d'habitude à faire, oui. Manger. Oui. Même il y a un restaurant malé. C'est poutine ça me vend la donne. Là ça m'a parlé de 7 différents poutines. Oui. Soit un restaurant normal ou commander 7 différents poutines. Oui, mais c'est comme ça que je vais pour pouvoir déguster. Ça, c'est bon. On prend mes pays. C'est différent. Waouh. Bon, monsieur, nous allons parler de Citoudier. Vous pensez que ça a intéressé les téléspectateurs, ça a intéressé tout, ça a intéressé nous tous, n'est-ce pas? Oui. Alors, Edwin, nous rentrons dans la villa. Ou rencontrer Marie-Soua Nistral, c'est ça? Yes. Ouais. Dans qui circonstance? Nous avons rencontré Marie-Soua Nistral en répétition. En répétition en groupe. Et puis, il a joué avec quelques musiciens, moi-même, je l'ai invité à venir garder. Ok. On seul joue à Tonushita, nous commençons à parler, moi-même, avec nous parler, on a parlé. On a regardé le background, nos côtés, nous sortis. Nous tous les deux, nous commençons une conversation comme ça. Et puis, même joie, amitié a tout cliqué. Ok. On va prendre ça, mais nous commençons à parler, nous parler de tout. Et de rien, la côté, nous sortis, bah, et ça, mais tu. Nous, en ville-là, Anistral, c'est son équipe, musicalement parlant, oui. Talentueux. Oui, très talentueux. Pile d'art. Très doué. Okay? Ouais. So, moi, avec Anistral, nous parler. Ah oui, ça nous dit, mon cher. On nous fait un bagage dans la ville là. Mm-hmm. Parce que surtout à l'époque, je te dis, tout le monde a dit, mon cher. Là, nous en 2008 ou 2000 2008. Ok. Oui, 2008. Commencement, fin 2008. Ouais, okay. 2008 était okay. Toujours. Yeah. Et puis, on était toujours qu'on a dit, parce que le groupe évangélique n'a pas vraiment mis en pile monde dehors. Mm-hmm. Parce que l'homme m'a parlé avec un pile monde, nous devons faire musique. Moi, faire musique. Yeah. Surtout si c'est compas évangélique, mon pape sorti vraiment. Nous avons toujours dit ça. Et puis moi, avec Anistral, nous commençons à parler. Nous parlons, mais nous disons, c'est travail bon,
nous tous les deux nous grandissons dans l'église. Exactement. On peut, bon, même que nous tout le monde a une histoire, yeah. Mais nous connaissons qui ça bon Dieu voulait nous faire. Exactement. Bon Dieu il est nous pour un but. Nous gagne son bon Dieu son ministère. Mm-hmm. Nous gagne un ministère. So nous dit c'est ça nous gagne hein. On apprend OK. Nous dit on pas accepter ça, on pas accepter ça. C'est bon Dieu qui a décidé. So nous décider nous former groupe là. Nous chita la caille moi-même Anestral monsieur Mackenson, mm-hmm. Et puis on a travaillé sur l'idée, on a brassé l'idée, ben yeah. Nos groupes là, on a brassé l'idée, on est venu sauter à Situdje, et puis Situdje est parti avec mon piano seulement. Ok. Anestral ouais. A fait sequence là, m'a chanté avec monsieur, yeah. Mais dans la machine de l'église, on a un piano. Mm-hmm. Ouais. Mais non, Situdje, hein, est-ce que le bon histoire de elle? Ça nous a cherché, nous jeunes. Et puis nous avons vécu quelques bagailles que nous pensions en plus le monde t'a prémé pas dire tant que j'avais entendu. So nous dit si tout j'ai c'est une invitation nous te dit. Yeah. N'a marché inviter l'autre jeune pareil nous même avec genre de musique que nous t'a faire pour retourner. OK. On va ça me dire pour si vin jeune bon Dieu ça t'est déjà là qui t'est parti retourner vin jeune bon Dieu ça fait dire de come to Jesus. Yeah. Come to Jesus, see to Jesus. Mm-hmm. It's son invitation, nous t'a lancé carrément. Ouais. OK. Ouais. Mais qui ça parce que groupe ça effectivement c'est un groupe qui vraiment marqué Montréal à chaque fois on a parlé de see to Jesus au passé. C'est un douleur. Moi-même, personnellement, je suis fan de C2J. C'est un groupe qui me tire en pile. Nous promouvoir C2J à travers les zones. Nous jouer C2J en pile. Il y a un groupe qui finit de décoller. Groupe-là fait Bahamas. Groupe-là révolutionne la musique évangélique montréalien. Mais monsieur, qui s'est passé? Ça ne nous pas prendre dans le détail. Ça ne nous pas prendre dans le détail. Groupe-là, pour une raison ou l'autre, il n'a pas existé. Bon, comment nous allons aborder des questions ça? J'en dis, sans nous pas entrer dans trop de détails, penser vision est différent. Yeah. Parce que nous avons même, nous avons ensemble, nous avons ensemble, mais vision n'est pas même. Yeah. Ou bientôt, soit où est plus loin passé, ou bien moi-même, où est plus loin passé. On y a un exemple, je dois dire, moi-même, vision PAM, c'est pour moi, il y a un professionnel basketball player. Pour jouer basket dans le niveau professionnel. Yeah. Mais au cas où il y a un jeu basket dans le niveau professionnel, mais on pas jouer dans NBA. Yeah. Quand ça veut dire, ou bien doit jouer dans le niveau professionnel là, ou à jouer, oui, ou à faire tout ce qu'on peut faire, ou jouer là, professionnellement, yeah. Ou à jouer là, mais on pas jamais arriver dans la ligue NBA qui c'est. Top. On pense que ça a une question de vision et on pense tout ça a une question de volonté. Ok. Qui vient d'entrer là-dedans, c'est so, une perte de volonté ou une perte d'intérêt, je te dis dans mon sens. Parce que si on a bien gardé, si tu dis c'est un coup qui est arrivé à pas loin, à façon que nous avons débuté, pour bruit que si tu dis fait. Si on prend un exemple sur Radio-Canada. Oui. Quand on cherche si tout j'ai, journal La Presse. Quand on cherche si tout j'ai, venez dans la répétition nous pour venir un petit extrait. Parce que si Dieu fait bruit, il arrive dans les oreilles. Bien sûr. Et il cherche pour connaître qu'est-ce que si tout j'ai, pour faire connaissance avec. Yeah. On s'en va là. Donc, on pense que c'est un groupe qui est arrivé bien loin. OK. Alors monsieur, avant nous clôturer l'émission, nous pourrons regarder un extrait de dernière pièce C2J. N'a invité téléspectateurs regarder ça avec nous en dernière pièce avant que pour nous tourner pour nous clôturer l'émission. C'est correct? Jérusalem. Chanter.
Alors, monsieur, l'émission a presque fini ses dernières vidéos. Nous avons regardé les dernières vidéos, prestations, groupe, si tout dit, ça fait la peine. Si tout dit, c'est comme nous dit tout à l'heure, c'est un groupe qui révolutionne la musique évangélique Montréal. Hein, c'est un groupe qui marque l'univers gospel Montréal. Et si tout dit, inspire un paquet d'autres groupes, un paquet de musiciens à faire musique évangélique. Et public l'entouf, public Montréal a été adopté si tout dit. C'est un groupe qui fait pile bagaille dans la ville. Hein? Alors, monsieur, qui ça nous capable dit qui message nous gagne pour surtout groupe évangélique montréalais, musicien montréalais, jeune qui fait musique, qui message nous gagne en particulier pour vous? Bon, bon, message nous gagne pour tout jeune qui fait musique, c'est-à-dire chrétien, dans Montréal. Quelle que soit la musique que vous faites, de vous mettre tout vous-même là-dedans, quand vous voulez, vous pouvez quand même. Absolument. Vous pouvez quand même. C'est pas, ça va dire si vous ne faites pas faire compas, ou pas faire l'autre musique, ou pas faire reggae, ou pas faire hip-hop. Quelque soit fait compas, de vous mettre tout vous-même tout que vous là-dedans, mettez bon Dieu là-dedans. Exactement, mettez bon Dieu là-dedans. Et si tout était bail pour vous. Quand vous voulez, vous pouvez privé. Exactement. Et en pile, l'autre groupe suivre trace à tout, parce qu'en pile, faut que nous comprenions que c'est adoration, c'est c'est adoration seulement. Non, mais nous, quand nous avons compas, nous avons petit compas bien. Oui, c'est ça. Nous avons joué compas parce que, en plus, comme les gens qui disent que si je joue compas, ou pas jouer de musique évangélique, ou pas l'évangile, ou pas jouer de musique pour bon Dieu, parce que je compas. Compas, c'est culture. Non. C'est culture, non. Culture, exactement. C'est, ça va faire une différence pour moi. Absolument. Alors, monsieur, nous avons terminé sous notre ça, côté que nous avons relancé Mounio encore pour dimanche. Dimanche, dimanche 14 avril. Nous avons dit tout le monde, pas oublié. Demain, si Dieu veut. Bon, pas même dit dimanche. Oui, demain, si Dieu veut. Demain, si Dieu veut. Pas même dit dimanche. C'est demain, si Dieu veut. Oui. Demain, si Dieu veut, c'est dans City Stars, adresse là. C'est 73-05 L'Angelier, c'est okay. Ça. Okay. Oui. À Saint-Léonard. À Saint-Léonard, c'est à 19h, exactement. Tout le monde vini son bon, c'est son histoire qu'il y a aimé, ouais. Exactement. Et il y a un pile leçon dans l'histoire, un pile leçon, un pile bagaille au monde qui apprend, surtout monde qui a une famille qui a levé un petit monde. OK. Qui a levé petit monde dans Kaila, il y a un pile bagaille qui apprend dans film ça. Absolument. Ouais. Alors rendez-vous demain à 19h, nous invitons tout le monde dans grand premier lancement, grand premier. Qui est le film là encore? The Promise. The Promise. On nous dit La Promise. La Promise. La Promise. Alors c'est au rendez-vous. Ouais. Moi-même, m'appelle là parce que je veux une invitation depuis plusieurs semaines. Alors félicitations encore, messieurs. Yes. C'est frère nous,
il fait déplacement juste pour lancement ça. Oui. Oui. Félicitations. Oui. Alors monsieur, c'était un plaisir pour me te gagner nous sur plateau. En temps passé tellement vite. Nous avons pile causé pour nous tabal encore. Mais temps passé vite. Mais nous quoi que n'a pas pour nous tourner dans l'autre occasion. Non, non, bien sûr. Mais bien nous faire le tour, nous arriver faire le tour, c'était un plaisir pour me te gagner nous et puis merci beaucoup et puis bon succès pour demain. Merci.